rendu de la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde-Kyenge, a présidé la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce jeudi 25 mai 2023 à l'hôtel du gouvernement. Trois points étaient retenus à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Examen et adoption des textes. Communication du Premier ministre. La communication du Premier ministre, chef du gouvernement, a porté essentiellement sur le dépôt par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, au gouvernement le 23 mai 2023 du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. L'adoption de ce projet de loi est une étape importante dans la marche vers la tenue effective des élections générales dans notre pays cette année. D'où l'importance de ce point de l'ordre du jour qui justifie la tenue de la présente réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Le gouvernement a apprécié à sa juste valeur cet effort déployé par la centrale électorale, à commencer par le renouvellement dans un temps record du fichier électoral. Le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à réserver à l'examen de ce projet de loi la même célérité, non seulement pour obtenir rapidement un large consensus autour de ce projet, mais aussi pour permettre au Parlement un examen rapide dans le respect des délais. Il a insisté sur le caractère confidentiel que revêt le contenu de ce projet de loi avant son examen par le Parlement. Point d'information, État et administration du territoire. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population a été marqué par les attentes du voyage du président de la République, chef de l'État, à la tête d'une forte délégation en République de Chine. L'activisme des terroristes 123/RDF en groupement de Tongo, territoire de Routchour. La recrudescence au phénomène Kulun à travers les grandes agglomérations du pays, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Évoquant quelques aspects dans le volet sécuritaire, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a fait état de la reddition à Kinshasa de 279 insurgés Yaka, dits Mobondo, venant des villages Antrak, Kinsele, Fumunkento, Bukana et Kizomo. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a terminé son rapport en rassurant le Conseil des dispositions prises pour faire face à cette situation d'insécurité. Le Conseil des ministres a pris acte de ce rapport. Situation sécuritaire. Complétant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en mission, représenté par le vice-ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, par le biais de son vice-ministre, a indiqué qu'à l'est du pays, la situation sécuritaire reste dominée par le renforcement des différentes positions par le RDF M23 en prévision d'une offensive générale avec comme objectif confirmé, selon les sources, l'occupation de la ville de Goma. À l'ouest, la situation reste marquée par la poursuite des opérations de traque des assaillants Mobondo qui écument la commune de Maluku et la province du Kwango. Le vice-ministre de la Défense nationale des anciens combattants a également informé les membres du gouvernement que les dispositifs mis en place dans la province de Kinshasa par les services de sécurité tant sur le fleuve que sur la terre ferme commencent à porter des fruits, surtout
sur le fleuve où les embarcations ne sont plus, ces derniers temps, prises pour cible. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Situation sanitaire dans le pays. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a commencé par informer le Conseil que le président de la République a effectué le 22 mai 2023 une visite des trois centres hospitaliers, Promedi, Candeur et HJ Hospital, ayant reçu les victimes de la marche organisée par l'opposition politique. Par ailleurs, en ce qui concerne la gratuité des accouchements et les soins aux nouveau-nés dans la ville de Kinshasa, dans le cadre de la couverture santé universelle, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a effectué une visite d'inspection dans certaines maternités ciblées en vue de la mise en œuvre de la gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa. Il a enfin donné les statistiques des maladies à potentiel épidémique, lesquelles indiquent une situation globalement maîtrisée et stable. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Examen et adoption de 5 projets de texte. Projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en l'absence de son titulaire en mission, a présenté le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Élaboré par la Commission électorale nationale indépendante, ce projet de loi répartit les sièges à la lumière des résultats de la révision du fichier électoral dont l'identification et l'enrôlement préalable des électeurs se sont déroulés dans 3 aires opérationnelles. En ce qui concerne les territoires situés dans les aires opérationnelles frappées par l'insécurité consécutive à la violence armée, faute d'avoir procédé à l'identification et l'enrôlement des électeurs dans ces parties du territoire national, la CENI a reconduit les sièges tels que fixés dans la loi numéro 18/05 du 8 mai 2018 relative à la même matière. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, en l'absence de son titulaire en mission, a présenté au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les territoires de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours et non court le 1er juin 2023. Cette prorogation vise à permettre aux forces loyalistes de poursuivre leurs opérations d'éradication totale des forces négatives dans les terroristes du M23 sous-traités par le Rwanda en vue de pacifier et rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Projet de loi modifiant et complétant la loi relative aux finances publiques. Le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté pour un examen et adoption les textes du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telle que modifiée par la loi numéro 18/010 du 9 juillet 2018, rappelant qu'en dehors des préalables intrinsèques majeurs au budget programme déjà accompli, la migration dans le cadre de ce mode de gestion est également tributaire des actions de réforme transversale sans lesquelles son exécution ne sera possible. Ces réformes portent notamment sur la comptabilité publique, la rationalisation des cadres et structures organiques des administrations publiques, la déconcentration de l'ordonnancement et l'adaptation d'un système d'information des finances publiques. Ainsi, la modification et le complément de certaines dispositions de la loi précitée vise non seulement l'actualisation de ces dernières, mais aussi l'insertion de nouvelles dispositions permettant de prendre en charge des matières nouvelles ou celles
qui avait en son temps été escamoté. Il a été donc introduit dans la présente loi les modifications suivantes. L'ajout à l'article 3 des définitions des notions relatives au débat d'orientation budgétaire et la dotation. L'insertion de la dotation concernant les crédits des dépenses des institutions constitutionnelles, laquelle ne doit pas être soumise à la mesure de la performance contrairement au programme. La programmation du débat d'orientation budgétaire durant la session parlementaire de mars. L'enrichissement de l'information du Parlement par l'ajout, parmi les documents qui accompagnent le projet de loi des finances de l'année, le plan de trésorerie prévisionnel, le plan de passation de marché, le programme d'investissement public, le rapport sur les dépenses fiscales, le rapport consolidé de la situation financière des entreprises publiques et des établissements publics, ainsi que la déclaration sur les risques budgétaires. Tenant compte des préalables restant à accomplir et considérant que la programmation des 5 ans obtenue en 2018 n'a pas permis au gouvernement de parachever toutes les actions critiques, le ministre d'État, ministre du Budget, a rassuré qu'une nouvelle programmation de 5 ans a été introduite, modifiant l'article 1er de la loi relative aux finances publiques. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Projet de décret portant gestion des investissements publics. Le vice-ministre du Plan a soumis au Conseil le décret portant gestion des investissements publics en République démocratique du Congo. Face à l'absence d'un cadre réglementaire à jour, bien que l'article 34 de la Constitution réserve une place de choix, notamment aux investissements publics, à l'instar des investissements privés protégés par le Code d'investissement, le budget d'investissement public devrait être renforcé pour servir d'instrument efficace de gestion publique en vue d'une mobilisation accrue des ressources et leur canalisation au profit des secteurs prioritaires de développement. Il a indiqué que dans cette optique, le gouvernement, à travers le ministère du Plan, Finances et du Budget, a décidé de proposer le présent décret pour régir la gestion des investissements publics. En ce qui concerne les innovations à matérialiser, ce projet de décret prévoit notamment rendre plus visible, traçable à travers notamment la mise en place d'un système de planification, programmation, budgétisation et suivi et évaluation. Consacrer les dialogues des bases de données avec partage obligatoire dans une banque de données consolidée par un programme d'investissement public plus exhaustif. Garantir une sélection rigoureuse des investissements publics sur la base des critères objectifs en vue d'une croissance économique forte et soutenue. Assurer le respect du processus de maturation des projets d'investissement public, de leur planification, programmation, exécution, ainsi que suivi et évaluation. Doter les projets d'investissement d'un numéro unique qui les suivra du début à la fin de leur cycle de vie et automatiser les évaluations ex ante, à mi-parcours et ex post, le contrôle des projets en cours d'exécution ainsi que l'audit. Ainsi, ce projet de décret permet également de donner corps aux recommandations formulées à l'issue de l'évaluation de la gestion des investissements publics, processus mené en 2022 par le Fonds monétaire international en vue principalement de corriger les goulots d'étranglement qui pèsent sur la gestion des investissements. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Projet de loi fixant le périmètre, la structure et le fonctionnement du compte unique du Trésor. Le vice-ministre des Finances a présenté pour examen et adoption les textes relatifs au projet de décret fixant le périmètre, la structure et le fonctionnement du compte unique du Trésor. En effet, la création du compte unique du Trésor étant l'une des priorités de la réforme des finances publiques
adopté par le gouvernement, ce projet de décret établit une structure unifiée des comptes bancaires de l'État en vue de permettre tant au pouvoir central, les provinces que les entités territoriales décentralisées de disposer en temps utile d'une information complète sur les avoirs liquides en banque. Cette démarche s'insère dans le cadre de l'application des dispositions de la loi relative aux finances publiques en vigueur, lesquelles obligent à toutes les administrations et à tous les services publics de déposer toute leur disponibilité dans un compte unique ouvert à la Banque centrale du Congo. La mise en place du compte unique du Trésor devient ainsi un impératif pour le gouvernement dès lors qu'aucun organisme public ne pourra désormais disposer d'un compte bancaire qui échapperait au contrôle du Trésor. D'où la nécessité d'un cadre juridique qui fixe clairement les responsabilités pour les parties prenantes dans la conservation et l'utilisation des fonds publics. Ce projet de décret s'inscrit dans la suite de la création en décembre 2022 de la Direction générale du Trésor et la comptabilité publique et de la signature en mars 2023 de l'arrêté fixant organisation et fonctionnement du réseau national des comptables publics, corroborant la volonté du gouvernement d'assurer l'application sans faille du principe de l'unité de trésorerie. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de texte moyennant enrichissement et amendement. Commencé à 14h16, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h34. Je vous remercie.